Eh bien salut tout le monde, c'est moi aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Prisme, le 16ème. Donc la dernière fois on s'était laissé devant le Major Bob, alors qu'on était en train d'XP dans la best, enfin dans le best, je sais même plus, je crois que c'est au best, voilà, on va dire au best il me semble. Tenefix, bon Tenefix de toute façon je ne comptais pas le faire XP de mémoire, il me semble que je ne voulais pas le faire XP. Parce qu'il était casse-couille et je voulais le remplacer le plus vite possible. Alors par contre du coup j'ai plus du tout de musique dans, dans les oreilles, voilà. Alors, Voltorb. Est-ce que ton broche ça fera... Bon bah d'accord. Au moins ça c'est fait. Ah c'est bon, il a survécu, j'ai peur quand même. Ok, donc level 30. Bon, on va le garder. Clairement, on va le garder. Ruse. Voilà, c'est bon, c'est ce que je pensais. Il va survivre. Ok, on réduit sa vitesse. Du coup, objectif, faire évoluer Reptincelle et Hérocoupes. Là, clairement, ça va être ça l'objectif. Magnézone, il n'y est pas, je crois, dans cette version, du coup. Ah bah si, attendez, je sais même plus jusqu'à quelle G ils ont. Je crois qu'ils ont jusqu'à la 4G et pas au-delà, je crois. Je ne suis pas sûr. Tonnerre. Alors par contre, quand il me fait tonnerre, c'est un peu relou. Tu veux pas continuer à faire ruse ? Souplesse, ah non souplesse je crois que ça fait mal. Ça va, ça fait quand même moins de dégâts. Pas courage. Voilà, nickel. Bon j'aurais pu faire drap courage et éviter de heal Reptincelle mais bon. Alors du coup le problème avec le Major Bob c'est que je ne peux pas du tout faire XP Roucoups. C'est un peu problématique. Oh putain, le coup critique. Ouais, voilà, je le sentais. Au nombre de PV qui sont partis, c'était obligé. Ah bah non, bientôt il va se faire déglinguer, mais bon, c'est pas grave. Enfin, quoi que, il a drap courage. Et puis, c'est un sac à PV, avec un peu de chance, il survit au moins une fois. Oh oui, large. Il est assez large, quand même. Vu son nombre de PV, il est assez large. J'ai tenté. Qui en envoie du coup? On a plus que Magneton. On peut envoyer Papillusion. La Rafale Psy. Combien est-ce qu'il fait? Ah bah voilà, nickel. S'il fait pas de critical encore, ça devrait passer. Voilà, bah nickel. Donc le dernier du coup ça doit être Raichu. Voilà, bah là du coup on va envoyer Magneton. On va pas trop se tracasser la tête. Bombément. Ah ouais, il fait quand même bien bien mal. Ah oui du coup oui c'est pas très efficace pour les deux. Est-ce que je peux lui faire cage éclair quand même? Comme il est type électrique. Sans problème. Sans problème, sans problème. Bah, Sonic Boom, il va crever du coup. Ouais. Bon, il est paralysé. Ce qui nous laisse quand même un peu d'action possible. Genre un petit Rafale Psy. Waouh. Ça lui a vraiment fait aucun dégât limite. Bon au pire on va utiliser une herbe rappel sur sur Reptincelle. Ah merde. C'est con parce qu'il faisait bien mal. Il faisait quand même assez mal par rapport aux autres Pokémon je parle. Ouais. Nous bien sûr on n'a pas on fait pas de critical sinon c'est pas drôle. Sinon le jeu est trop facile. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, on n'a plus d'herbe rappel? Ah, c'est la tristesse.
c'est la tristesse. Au pire il est paralysé, on va faire Dracorage. Normalement Dracorage ça devrait passer. Il a pas 120 PV Raichu. Ah quoique, à ce level là c'est possible. On va voir. On va voir si ça passe ou pas. Ouais ça passe. Donc il a moins de 120 PV. Parce que là il avait un tiers de sa vie, donc un tiers. Un tiers de 120 c'est 40. Et comme tape 40, bah voilà. Revenez plus tard. Ah, tristesse. C'est normal. C'était lui mon dernier. Alors du coup, faites voir. Où c'est qu'on en est? Ouais, du coup, il faut en faire évoluer un. Alors je vais juste checker à quel level évolue Rukoups. J'écris de la merde, mais c'est pas grave. Je crois que c'est... Alors attendez, je vais vérifier, je vais pas dire de conneries. Putain, niveau 36. Ouais, bon, on n'a pas le choix en fait. On va y retourner. Refaire un étage. On peut... Ah oui, c'est là qu'on choisit, je crois. Entrer le niveau 70, je crois qu'il y avait marqué, non? Ah non, d'accord. Ok. Recommencer l'étage 3. Voilà. Nous n'avons pas vraiment le choix, donc on va devoir faire XP à mort Reptincelle pour le faire évoluer, parce que j'ai pas vraiment envie de capturer un Pokémon. Et puis de toute façon, clairement, on n'est pas au niveau du tout. Ça, ça y a pas photo. Level 35. Ah merde, le boulet. J'ai pas été les soigner. Oh, le boulet. Ah, s'il met un coup, je suis dans la merde. S'il met un coup, j'ai perdu. En fait, c'est simple. Bah voilà, c'est fini. Ah non. Ok, ça m'a fait nos dégâts limite. Graissement est peut-être buggé en fait. Parce que baisser la défense et au final avoir que ça. C'est peut-être buggé. Allez hop. De toute façon, ouais, clairement, on n'a pas du tout le level pour. Et pour XP à part la BEST, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire quoi. Parce que les Pokémon sauvages sont pas au level du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vois pas là. Bon, de toute façon, on va XP, donc ça va être l'épisode totalement XP. On va refaire et refaire la BEST jusqu'à ce qu'on soit à level 36 au moins pour Dracaufeu du coup, puisqu'il aura évolué normalement. Mania. Putain, l'enflure. Il va faire bien mal du coup. Alors par contre, c'est légèrement bugué les animations. What? Nawak. Bon bah, le deuxième qui doit évoluer. Parce qu'en fait, vous voyez les traits rouges de la de genre ouais, je suis Furax et tout, ils sont en plein milieu les dettes sur le Pokémon, c'est assez bizarre. Le mec sans pression. Rien. Mais what? Mais le mec il fait mania, mais genre vas-y, la confusion ça me fait rien. Bon. Clairement, de toute façon, j'ai pas le choix, faut faire XP les deux. Donc, et le plus confus, sinon c'est pas drôle. Bien sûr, il sait jouer. Sinon c'est pas drôle non plus. C'est vrai que j'ai des super bons mots aussi. Bon, on va peut-être les claquer après en fait. Ah merde, ils sont en bas, c'est vrai. Voilà. Ok, on va survivre. Donc on va lui faire un petit tonnerre. Pour être sûr qu'après Dracorage le tue. Ah merde, c'est vrai, il est... Il est truc sol. Bon, relou. Le mec, il est à la confusion, ça lui fait rien du tout, please. Tandis que les musiques de combat sont beaucoup trop fortes dans mes oreilles.
Mais pas les musiques hors combat, c'est assez bizarre. Ah bah ça y est, il tape dans la confusion. Eh bah putain. Ouh. La difficulté juste pour ça quoi. Pour 615 points d'XP en plus, putain. C'est radin Nidoking en vrai. Je pensais que ça rapportait plus moi. Oh putain. Mais vas-y, mais fais pas plus le truc relou possible quoi. Ouais, elle est méga sans yeux en plus. Le Pokémon relou. Alors là c'est du spam click parce que t'as pas envie d'utiliser un réveil parce que tu sais que c'est pas gratos non plus le truc. Lui bien sûr va dormir pendant 10 ans parce que c'est un Pokémon flemmard. Regarde, hop là, 4 tours. Et puisque le jeu est complètement pété. 5 tours. Tu veux pas abuser plus que ça mec. Sans deck. C'est violent. L'autre, la confusion, ça lui fait rien du tout. Toi t'es là, tu galères à mort, Fada. Waouh. Oh le jeu de l'abus quoi. Alors. On va aller se heal. À vendre. Ah oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment avant, genre on va l'acheter, ou est-ce que ça va être avant, genre il va y avoir un event, il y a quelqu'un qui va l'acheter, et du coup plus tard, genre, faudra revenir pour battre, je sais pas, moi, la team infinie ou les trucs comme ça. Démarre le processus de combat. Alors là, franchement, moi, là, c'est l'épisode le moins passionnant du monde. Alors vous savez quoi? Je pense que je vais faire une petite ellipse. Genre là, voilà, on est à 12 minutes de record. Je vais faire une petite ellipse le temps qu'on est XP, parce que pour vous comme pour moi, c'est pas très passionnant, vous voyez. Donc on se retrouve quand j'aurai fait monter soit Reptincelle, soit Roucarna, soit Roucoups au niveau 36. A tout de suite. Et donc re tout le monde. Donc j'ai pas mal XP depuis la dernière fois. Alors on va remettre tout en ordre. Donc comme vous pouvez le voir, Reptincelle est level 34. J'ai pas encore utilisé les super bonbons. Et Roucoups level 31. Donc j'ai été déposé Tenefix pour récupérer Réolu qui a un peu monté de niveau. Voilà. Et donc bah du coup on a Reptincelle qui va évoluer. On a Reptincelle qui va évoluer, donc déjà c'est beaucoup mieux maintenant. Level 34, on va dire que maintenant il arrive à tenir un peu les différents combats, il fait un peu de dégâts enfin. Nidorino. Dracorage. On va dire que normalement là j'utilise Dracorage parce qu'il est type sol, mais sinon d'habitude je fais gros feu ou deux attaques et ça passe assez bien normalement. Ah merde, bah, j'aurais dû faire frappe Atlas là, mais j'ai cliqué trop vite. Allez, combien d'XP? 810, ok. Voilà, Reptincelle. C'est fait. On va utiliser un super bonbon. Et voilà. Parce que franchement, là, je pouvais plus, là, vraiment. Genre, aussi peu d'XP. Ça rapporte vraiment pas beaucoup d'XP. C'est surtout que les combats sont super longs en plus. Cruel. Bon, le Frappe Atlas. Quoique Frappe Atlas maintenant va être beaucoup plus utile que Dracorage. C'était pas mal. C'était pas très mal. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, du coup. Du coup j'en ai quelques-uns comme j'ai fait XP dans les herbes du dessus Réolu vite fait. Qui est au-dessus de Carmin-sur-Mer. J'ai fait quelques courses vite fait aussi mais bon. Ça a pas trop servi parce qu'on a que deux herbes rappel je crois. Non on en a une et j'ai deux racines d'énergie. Voilà. Le problème en fait avec les hologrammes, ce qui rapporte
aucun fric. Vraiment, tu vas dépenser tout ton fric et ça servira à rien au final. Jeu abominable, d'accord. Alors du coup maintenant, on va repasser devant. Et maintenant on va jouer full avec Roukoups. Je crois qu'elle, elle a un empiffleur, non? Ah non, même pas. Il n'y avait pas un qui avait un empiffleur normalement? D'accord. Je pensais, mais... Alors, de toute façon, les attaques style danse plume et tout, c'est... danse plume, c'est bugué. Je sais pas trop comment ils ont fait, ils ont réglé ça. J'ai l'impression que c'est bugué, parce qu'en fait... Le mec, il va me faire un certain nombre de dégâts. Je vais faire danse plume. Et ça fera toujours pareil qu'avant. Alors là c'est bugué parce que là il est déjà confus alors que normalement il est confus au bout de la deuxième ou troisième fois. Enfin bon. C'est pas très grave. Ça m'arrange pour le coup. Fauchage. J'aurais pu faire flash. Je crois que flash n'est pas bugué. Enfin flash et de ça, tout ça, je crois que c'est pas bugué ça par contre. Bon, bye. Bye bye. Voilà, le problème il est là, c'est qu'ils font beaucoup trop de dégâts, ils rapportent pas assez d'XP par rapport à ce qu'ils font de dégâts. Clairement. Le mec il va te rapporter 600 d'XP, tu fais ouais, ok. C'est compliqué. Papillusion. Ouais, j'ai l'impression que j'ai de sable et... Et flash ne sont pas buggés parce que je les utilise, ça marche. Par contre les baisses de stats autres, genre défense, attaque et tout, j'ai l'impression que ça c'est buggé par contre. La dernière fois le mec il m'a fait grincement, il a enchaîné grincement, il me faisait nos dégâts quoi après. Donc c'est pour ça c'était assez bizarre. Là par contre je crois que... Ouais on peut plus avancer. Donc on va essayer de faire l'arène comme ça. On va voir ce que ça donne. Clairement là... C'est presque une mission suicide quand même, ou alors on va utiliser que Dracofeu quoi. Ça risque d'être très compliqué. Mais bon, faut avancer au bout d'un moment parce que moi je craque là. Vous voyez genre j'en ai un peu râlé les couilles de faire tout le temps le même les mêmes dresseurs et tout. Ça rapporte vraiment pas assez d'XP par rapport à ce que c'est difficile. C'est triste. RT. Ah putain le sprint buggé, voilà, merci. Alors, le problème voilà c'est que quand tu sors du bâtiment des fois. Ah putain, c'était Nefix qui a coupé. Tristesse. Ouais d'accord, merci Culbuto. Okay. Hein? What the fuck? Ok. Je... Très étrange. Ok. Pas de problème, il n'y a pas de PC. Enfin, il y a le PC sans être vu. Visible. Alors, Chimera, nous deux. On va sauvegarder avant. On sait pas pourquoi, mais on sauvegarde. Voilà, j'ai 20 Pokémon. T'es contente? Le deuxième super bonbon, on l'utilisera sur Roukoups pour le faire évoluer en Roucarnage quand il sera level 35. Allez, c'est parti, champion Erika, Raphaesia, level 39, au calme, sans pression, tout ça. Mais non, il n'y a pas 8 levels de plus, mais non, c'est pas vrai, c'est juste une impression, les amis. Oh, ça va, je fais un peu de dégâts quand même. Oh, putain. Bonjour, je suis un Pokémon de type relou, je paralyse nos Pokémon dès la première attaque. Alors par contre j'espère qu'il me fait pas trop de dégâts. Oh ça va. En fait heureusement que j'ai envie de dire, heureusement que c'est des types plantes parce que ça fait pas trop de dégâts ce truc de toute façon. Oh putain la paralysie du mort. Oh la paralysie de merde. Et après je pense qu'on va faire un petit vive attaque. On va pas se faire trop chier. Voilà, ça passe. Sans pression. 1332 d'XP. Sac de nœuds.
Ah parce qu'il en volte. Ah oui, il a pouvoir antique. Ok. Parce que... Ah oui, d'accord, il booste ses stats en plus, ouais, voilà. Mais non, c'est pas du tout abusé. Non, parce qu'en plus, il envoie le niveau 39 avant le niveau 37. Où est la logique dans ce champion. Enfin, dans cette championne, pour le coup. Enfin, bon. Ah oui, bah oui, du coup, oui. Du coup, pouvoir antique, ça lui fait des dégâts aussi. Suis-je bête. On voit Magneti. Magneton. C'est vrai qu'il a évolué. Enfin, même s'il a évolué, il fait pas trop de dégâts, hein. En renou. Heureusement le tonnerre est assez puissant parce que... Enfin bombe et main ça fait pas trop de dégâts. Ce qui me paraît étrange d'ailleurs parce que attendez. Ouais. 60 par rapport à 95. Ouais c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Donc c'est un peu normal mais bon. Oh oui d'accord. Ça fait quand même beaucoup. Ça fera quand même beaucoup plus de dégâts je pense que bombe et main. Ce bombément, même quand c'est super efficace, ça fait pas trop de dégâts, quoi. On voit que c'est là vraiment la première attaque acier qui apprend. Ah, par contre, ça c'est relou, ça. Est-ce que tu pourrais arrêter de me faire ça, s'il te plaît? Enfoiré de Pokémon de merde. Tu commences à me casser les couilles, bro. Il va faire ça tout le long. Tu veux pas changer d'attaque un peu? Comme tous les ordi frais. Merde, tu fais... J'ai fait Sonic Boom. Oh, le boulet. Tu veux pas être paralysé, sale Théo? Oh, Sandé, quoi. Putain, le mec, il rate pas ses attaques. Il fait tout le temps la même. Au pire qu'un joueur. Déjà paralysé. Oui bah oui mais elle fait pas effet la paralysée de toute façon donc Ah bah putain ça y est. Je veux plus faire attaque. Je veux plus faire tonnerre. Oh là là. Et là ça va être moi qui vais être paralysé. Comme par hasard. Ah non c'est bon. Je sais pas comment c'est géré mais les probabilités de ce jeu parce que ils ont tout. Ils ont du tout modifié en vrai. Par rapport au jeu original ils ont du tout modifié. C'est assez bizarre. Ampiflore. On voit l'éviateur pour pouvoir soigner Rukups. Oh putain Rukups. Oh là là, il est même paralysé. Oh, oh la catastrophe. Heureusement que lui il est type haut et vol, puisque bon, il va se prendre la fessée là. Ouais voilà. J'ai pas un anti-par à rien, j'ai vraiment que dalle. Putain, c'est la pauvreté ce jeu. J'ai pas de B en plus. Il y a une poche B, mais on n'a pas de B. C'est très pratique, tout ça. Poudre de dos, si tu veux. Bon, tue-moi maintenant. Oh putain, Foilian, l'animation de fou. Le gros truc qui sort de, du ciel, Fada. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas honte niveau d'écart. Et je résiste. Bon par contre le problème c'est qu'il a une forte il a une forte chance de faire de coups critiques avec mais bon. Waouh la résistance qu'il n'a pas justement du coup. Parce qu'en vrai finalement il y a moyen que je le gère. Alors par contre vive attaque ça passera pas. Enfin ça passe pas du tout même. Parce que même si c'est stabé, même en calculant et tout, en disant ouais c'est stabé, ça fait mais ça fait quand même deux fois moins de dégâts que vol. Et sachant que vol fait des dégâts en étant stabé aussi, ouais non. Et en plus super efficace, ouais, non. Ça serait pas passé du tout. J'étais obligé d'utiliser une limonade là. Ok, il va prendre hâte, très utile. Merde. Ouf. Alors là c'était le combat de la mort.
On dirait bien que j'ai perdu, mais je suis bonne joueuse, accepte donc ceci. Alors vous avez vu la souris passer, mais c'est pas grave. Vous l'avez revu passer. Badge Prism, comme le nom du jeu. Hey, et ça c'est cadeau. Giga Sangzu. Bonne chance, hein, que mère nature soit avec toi. D'accord. Est-ce qu'à un moment on va avoir droit à un peu de quête principale, genre avec la team Infinity et tout ça, parce que là, les... on va dire que moi, c'est bien les arènes tout ça et tout, mais bon, j'aimerais bien les croiser à un moment, tu vois. Toi-même, tu sais comment tu es posé devant ton canapé, devant ta télé, bref. Alors du coup, on peut se redébarrasser de Tenefix et ressortir Riolu. Très étrange. Sinon, qu'est-ce qu'il disait, lui? Qu'il y a un livre qu'on ne peut pas lire. Donc maintenant, où c'est qu'on doit aller? Ah oui, on doit retourner à... On doit aller à Safrania, non? What? Ah d'accord, ils ont fait pop des dresseurs. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, on manquait d'argent, donc ça tombe bien. What? Oh, t'es une dresseuse, hein? T'es une dresseuse, hein, comme toi, wesh. Bon, ça va, Croucoups fait beaucoup de dégâts. Séduction. Né? Apparemment, ça marche pas. Je sais pas trop. Dis-moi que tu rapportes de l'XP, gros. Ok, tu rapportes que dalle, c'est génial. Ah bah Reptincelle, lol. What, le level? Mais c'est n'importe quoi. Faites un truc pour l'XP, les gars, en vrai. Oh. En plus, il one shot sans pression. Un coup de drac orage. Sachant que lui, il a toujours pas appris d'attaque. Un jour, il apprendra une attaque haut. Level 36 je crois. On a le temps, hein. Level 36 je crois qu'il apprend hydrocanon. Allez, on le finit. Oh putain, lance-flamme, bien sûr. Qui est stabé, qui fait masse dégâts du coup. Voilà, alors que vous faites que d'entendre ma chaise qui est complètement déglingue. Un jour je la changerai, c'est pareil ça. Fenard. Ah ouais, là, une team full Pokémon feu, c'est la joie. Faire une protect si tu veux. Oula, lui il a de la vie. Ouh, lui c'est pas le petit Reptincelle. Hein. Ouh, lui il a de la vie. Ouais. Bon bah on va refaire un voyage au centre Pokémon après de toute façon. Je suis quand même assez emmerdé pour... pour Magneton qui est pas Magnézone. C'est dommage. Pff, Flamèche coup critique. Le mec sans pression. Me one shot pas quand même. Mais où? What? Le mec fait deux coups critiques d'affilée, non mais please. What the game, quoi. Du coup, autant faire XP Riolu. Ça fait du bien de voir qu'il a quand même 113 PV maintenant. Bon, par contre, maintenant, je vais vraiment beaucoup craindre les attaques roches. Donc, genre, je l'ai même pas tué. Oh là là, en plus il prend que un level par un level Riolu, ça va être compliqué aussi. Ah yes, lui c'est un dresseur, je crois. Bon, on va arriver à Safrania, vous allez voir que les dresseurs vont être level 50. Donc je vais avoir vraiment une grosse séance d'XP à faire, parce que j'ai pas trop le choix non plus. Donc je vais me retaper le best, enfin là où le level le best, voilà, toi-même tu sais. T'es un dresseur?
Oui. Donc il doit avoir des Pokémon électriques. Pas du tout. Il est Pokémon combat, c'est crédible, ok. Parce que là, oui, c'est vrai que les pyromanes, là, ils ont pas de Pokémon de type feu. Ça, c'est très la logique aussi. J'ai remarqué ça. Le problème, c'est que les Pokémon combat, ils font méga mal. Donc c'est compliqué. J'ai plus de rappel aussi, putain. Cruel. Même coupe croix qui n'est pas très efficace, le truc il t'enlève quand même 40 HP sans trop de pression. Allez, dis-moi que je le one shot. Oh, coup critique. Alléluia, enfin moi qui fais un coup critique. Et c'est pas un coup critique sur un Dracorage. Rappelons que c'est très utile de faire un coup critique sur Dracorage, hein, bien sûr. Ok, grimace, tu veux. Au pire, tu me tues Dracofeu, j'en bois au plus. Au pire. Il me tue pas. 2 HP, ok. Donc maintenant, si vous voyez que j'ai XP entre les épisodes, vous savez où j'ai été. Hein. Ça veut dire que j'étais à la best. Sans trop de pression. Alors par contre, me dites pas qu'il y a encore des restrictions à la con comme ça. Non. C'est pas toi que je veux voir. Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui vend des plantes? Alors là, on va refaire le plein. Spam clavier. Toi-même, tu sais comment faut spammer le clavier. Je sais pas si on peut avoir des boissons gratuites comme dans le jeu des fois. J'aime vraiment bien cette musique, elle est très sympa. Bon par contre j'ai plus de rappel. J'ai plus assez points pour des rappels, mais après, quasi. Je peux en prendre un je crois. Donc ça par contre c'est la déchéance. J'ai pas été au centre Pokémon, bon c'est pas grave. Est-ce que tu dis quelque chose? Bienvenue à Safre, je vous demande pardon, si je veux un thé, non, passez je vous prie. Putain, c'est vrai qu'elle, il fallait lui ramener du thé pour pouvoir passer avant. Oh, énorme. D'habitude, les infirmières, elles ont des levénards, et ben elle a un l'euphorie. Yeah, classe, elle a voulu, il a voulu. Alors, est-ce qu'il y a... Oh. Comment elle est stylée la Sylphes ARL. C'est des mini dracos non? Les statues. On dirait des statues de mini dracos en tout cas. Ah ouais du coup oui. On n'a plus la team enquête à affronter tout ça. C'est plus ou moins la vie mais bon. Le problème c'est que pour XP c'est dommage quoi. Parce qu'avant ça faisait masse XP ce truc. Ah il faut une carte ok. Attends. Il y a un distributeur. Est-ce qu'ils vendent un truc spécial ou est-ce qu'ils vendent des trucs normaux? Tiens, ceci, d'accord. Alors, on va visiter un peu la ville du coup. Si Kanto devait avoir une capitale, Safrania serait favorite. Non, 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 je ne parle ne me parle pas de celle de Paul Burke. Rivalité entre les deux. Entre les deux mégalopoles. Entre les deux métropoles, pardon. C'est la maison de la copieuse. Alors il me d'accord. D'accord, donc il faut battre Janine. Donc Janine ça doit être la championne de Starine justement. Toi t'es qui? J'ai...
dit n'importe quoi et c'est passé. Attends, voilà. Ok. Alors j'ai pas lu les dialogues, mais bon, genre sans pression, on s'infiltre dans la sylphe, Sarl. Ah bah voilà, au moins c'est intéressant maintenant d'y aller. Ah par contre. C'est ce que je pensais, c'est pas des dresseurs, il faut les éviter, putain la tristesse. Je sais pas trop ce qu'on cherche, mais on le cherche. Ok, il y a un objet. What the fuck? Bonjour. What? J'ai pas trop compris le délire. J'ai pas compris le délire. Enfin bon. T'es où? On va se balader. Puis on verra. On verra où on finit. On peut monter là. On va monter. En fait, si je lisais la quête, peut-être que... Que la lumière soit. Parlez à CD Top Secret. Ah d'accord, on va dérober la CS Flash. Ok, sans pression. Par contre, pourquoi est-ce qu'on est déguisé? C'est bizarre. Ça, j'ai pas compris. Vous êtes déguisé en intello. Oh, elle est là, la CS. Oups. Comment est-ce que je fais pour passer là? Merde. Comment je fais pour passer? Merde. I don't know. Oh, il y a un objet là. Ah, est-ce qu'il faudrait pas que je change de fringue? Ok, pas du tout. Moi, je me suis... Je ne peux plus bouger. Ah si, c'est bon. Ok, le jeu avait freeze pendant 2 secondes. Je comprends pas le délire des fringues. Quoi? Oh merde! Grillé. Par contre, à chaque fois, il y a la musique, c'est un peu relou. Alors c'était par où? C'était par... je ne sais plus par où c'était. Par là je crois. Alors là on avait vu ce flash. Oh mais merde! Alors voilà. Comment vous changez votre jeu Pokémon en cache-cache? What the fuck? Ouh. Oula, c'est hard là. Ok, c'est bon, ça passe. Qu'est-ce que c'est? Hyper potion, c'est pas ça. Ah par contre là ouais, il y a un petit bug. Ouais, voilà. Quand tu récupères les objets, tu peux plus durer pendant. Tu peux plus bouger pardon. Pendant un bon bout de temps. Ce qui est assez mal foutu. Ok, là on y avait été. Alors là par contre. Ok. Qu'est-ce que c'est? Zinc. Allez, bouge, s'il te plaît. C'est quoi ce bug de merde là? Ce bug de mort. Alors là, pour ressortir, par contre, ça. Ok. C'était easy en fait. Je vais récupérer l'objet. Oh, putain, lui il court. Faut lui courir après. Mais il va me choper parce que le jeu est bugué.
Ah bah oui. D'ailleurs lui aussi il est bugué. Comme le jeu est bugué, il m'a chopé, putain c'est la joie ça. J'avais super bien avancé, putain. Corriger les bugs au moins, merde. Ce bug il était tout pourri en plus. Bug de merde, je peux pas bouger pendant un bon bout de temps et du coup ça casse tout en fait. Oh merde, boulet. Ce qui est étrange c'est que derrière il continue à faire le rond, c'est genre le mec qui continue à faire un 360. Je connais pas tous les chemins par cœur, du coup je fais comme ça. Autant je leur rallonge le truc genre à mort, mais bon, c'est pas grave. En vrai, eux on va les éviter parce que j'ai pas envie de les faire. Allez hop. Ensuite c'était par je ne sais plus. Là c'est où? Ah ben on a atterri là. Hop. Ah, tristesse. Oh putain, il y a du monde là. Il garde un truc ou... Non. Par contre, l'autre côté, on n'y est pas allé, je crois. Celui-là, téléporteur, il me semble qu'on l'a déjà pris, ça me dit quelque chose. Par contre, l'autre côté, je ne crois pas. Ouais, on n'est pas passé par là. Il y avait un truc dans la poubelle en plus. Nickel. Limonade, dans la poubelle. Je ne peux pas bouger, merci. Voilà. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Oh. Je dirais que c'est pas par là. Si je lui parle, vous voyez qu'il y a une grille. Pourquoi j'ai une tenue de scientifique? Je comprends pas le délire. Neuvième étage. Faut que j'aille où, bordel de nouilles? Tu m'emmènes où toi? C'est génial, je tourne en rond. Est-ce qu'il faudrait pas que je redescende et que je passe par l'accueil? Je ne sais pas. Il y a un truc là, non? Ouais, il y avait un truc qui dépassait. Max repousse. Voilà, merci. Bon. Oh putain, ça fait un gros épisode pour vous. On va s'arrêter là, hein. Comme d'habitude, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et on continuera la prochaine fois avec la Sylphe Sard. Allez, bye tout le monde.